Avec les panneaux devant, tu pourras cliquer pour ouvrir. Oui, sans souci. Oui, d'accord, je comprends mieux ce que tu veux dire, Lunal, pardon. Eh bien, oui, alors, pas de souci pour cela, parce qu'en fait, tu cliques ici, par exemple. Tu vois, tu cliques dans la bordure noire du coffre. Et il n'y a pas de problème. Attends, j'avais des panneaux. Bah, je les ai laissés de l'autre côté. Mais en gros, ça va. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne peut pas autant cliquer sur toute la largeur comme quand il n'y a pas de panneaux ou d'item frame. Mais il y a moyen de moyenner. Tu vois, il faut être un peu plus précis avec la souris, mais par contre, l'intérêt, c'est vraiment l'aspect visuel qui est très agréable. Donc, je pense que ici, sol et plafond, je vais probablement aménager en bloc d'os encore, puisque le bloc d'os, grâce au spawner à squelette, devient mon bloc de construction préféré. Et puis, très franchement, j'adore ce moiré soyeux de l'ivoire, hein. C'est vraiment joli. Qu'est-ce que... Ok. La meuf qui dézingue, mais genre elle dézingue tout, hein. Elle comptait, elle virait tout ce qu'il y avait là, c'était bien. Et puis elle commence à bien virer les trucs qui sont bien placés aussi. Parce que YOLO, voilà. On n'est pas là pour réfléchir, hein, sinon ça serait. Bon, c'est une honte. Là, donc on va les replacer. Parti sur ta lancée, mais écoute, c'est complètement ça. Voilà. Il faut dézinguer. D'accord! On avance. Je vous dis, on n'est pas là pour réfléchir. Allez, c'est bon. C'est magnifique. Mais non. Non, Chris. T'avais réussi à pas te bourrer jusque-là. Bon. Ouais, c'est la fête au misclic et c'est un peu la fatigue, peut-être, hein. Voilà.